Es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Que faut-il que je fasse? Est-ce toi, Louis? Oui, il a dit oui. Que faut-il que je fasse? Voici Denise, elle peut nous aider. Qui êtes-vous au juste? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Alors je vous explique, je suis quelqu'un qui chasse les esprits malfaisants. Et donc je viens chez les gens pour les aider à faire face aux problèmes paranormaux. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Il est là, à l'intérieur de moi. Je ne le contrôle plus. Il me parle la nuit. Le jour. Il veut que je fasse ça pour lui. Et qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Oh, je suis vraiment désolée, il est fatigué. Pouvez-vous nous aider quand même? Oui, mais je reviendrai demain. Il va falloir que vous fassiez très attention. Je vous m'en garde parce que votre mari, je pense qu'elle est très très gros. J'avoue que ça ne leur ressemble pas de laisser une maison comme celle-là en héritage. Peut-être qu'après tout, il ne faut pas lui donner personne. Allez, on va aller visiter. Waouh, c'est ce qu'on va voir. Doucement les enfants, on va essayer de prendre les escaliers. À la meilleure qui va te permettre de négocier. Oh, tu peux te laisser.
Dakota, si tu avais peur, tu irais où? Avec Darren, on va le faire, hein, Darren? Pas de soucis, on va commencer par ceux de gauche. Allez. Ouais, génial. Salut ma chérie. Salut maman. Tu as bien dormi? Justement, j'ai entendu un bébé pleurer toute la nuit. C'est peut-être le bébé des voisins, mais tu sais, il va falloir t'y faire. Ouais. Où ton jumeau? Je crois qu'il est sous la douche. Ouais, et d'ailleurs, il n'y a plus d'eau chaude. Il sent que cette maison va me plaire. Oui, non, mais je vais en parler à ton père pour qu'il regarde cela. Ils n'ont pas l'air sympa, ça, non? 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! Tiens, maman, je suis très fort à ce jeu-là! Je n'en doute pas, tu es un vrai champion! 1, 2, 3, soleil! Tu m'as fait peur. T'as eu peur. Non, mais maintenant, tu passes devant. Thank you.
cerveau qui a dû les récupérer ce matin. Ouais. Ah, au fait, surveille le téléphone au boulot. Je risque de ne plus rien voir pour très longtemps. C'est promis. Je vais prendre l'air. D'accord, mais ne traîne pas trop ma puce. Ça marche. Je vais t'attraper, attention à nous. C'est quoi ça? Je ne sais pas bien, maman. T'as vu Andrew, c'est un puits. Regarde. Eh oh. Oh, t'as vu, ça résonne Andrew. Je peux voir. Ah non, t'es trop petit. Touche, attends de m'attraper. Allez Andrew. Bien là. Non, il va falloir attendre encore un petit peu avant de voir son petit nez. C'est une garçon ou une fille? Avec papa, on préfère avoir la surprise. Pourrais-tu apprendre à jouer un 2-3 soleil, maman? Bien sûr, mon grand. Je suis certaine que ce sera un champion, une championne comme toi. Allez, regarde, j'ai une surprise pour toi. Quand tu joueras avec ce petit train, tu sauras que je serai avec toi quand le bébé viendra. J'avais jamais vu ça avant, je crois. Non plus, je pense pas. Mmh. Puis après, j'ai été un peu curieuse, donc j'ai continué. Et j'ai fini par me paumer. Je me suis retrouvée près d'une grande rivière. Et j'ai voulu aller toucher l'eau et je failli tomber. Ça va, c'est bon. Allez, les filles, il est tard, il fallait dormir maintenant. Oui, maman. Thank you.
Les voisins sont bizarres, non? Bah, j'ai voulu aller chercher les autres tout à l'heure, mais il n'y a personne qui m'a ouvert la porte. Pourtant, il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Bon, c'est peut-être parce qu'on vient d'arriver. Ça va s'arranger avec le temps. Allez, bonne nuit, ma chérie. Chérie, tu n'as pas besoin de lunettes. Peut-être dans la salle de bain. C'est fou, ça fait l'éternité que je les cherche, pas moyen de mettre la main dessus. Non, mais je suis sûr que t'es même magicienne pour finir par les retrouver. Oui, je pense aussi. En fait, ça va Dakota, parce que pour sa rentrée d'école, je savais qu'elle appréhendait. Oui, un peu nerveuse, mais bon, ça ira, elle s'y fera. Mais bon, ça ira, tu n'as rien oublié. Allez, vas-y, tu vas t'en retarder. Bon, ok, j'y vais. Et toi, pas de caprice quand je suis pas là. Y'a quelqu'un? Oh, je te préviens si c'est encore toi!
t'assure. Non, vous savez encore ce chat. Mais non, il n'y était pas cette fois. J'ai entendu un bébé qui pleurait, Rod. Tu es fatiguée, ma chérie. Avec la grossesse, les médicaments... Tu me crois pas, c'est ça. Mais si, bien sûr que je te crois. Mais je voudrais juste que tu te reposes un peu. Pour toi et pour le bébé. Alors, tu vas t'allonger. Voilà. Et tu vas dormir. Ok, d'accord. Alors, on s'est fait cette partie. Quand tu veux. Je commence. Regarde, ça fait les culs. C'est bien, bon. Thank you.
chez Adam. Toujours le train qui passe avant tout. C'est vraiment pas le moment de prendre une douche. Qu'est-ce que tu as fait, Darren ? Rien. Rien. Regarde. Oh, mais là ! C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ici? Darren, qu'est-ce que... On ne sait pas, chérie. Je vais aller chez le médecin, ma puce. Oh non, maman, me laisse pas toute seule. Non, est-ce que tu comptes faire pour quotidien? Parce que j'ai plein de dormir ici. Je vais faire de mon mieux. Allez, vous préparez, vous allez louper le bus. J'ai appelé un médecin, il devrait pas tarder. Comme ça, ce médecin pourra rester couché. Bonne idée, chérie. C'est dans le salon, mais vous allez vous allonger sur le canapé, d'accord? Je vais rester avec Spencer. D'accord, bon, bon, vas-y. Monsieur Miller? Oui. Avez-vous vu, les incidents par ici? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, ça a commencé quelque chose après notre arrivée dans cette maison. J'ai cru que c'était mon imagination, mais les choses ont empiré. Allez, venez avec moi.
Oui, votre mère était très intelligente, mais ça n'a pas suffi. Pourquoi est-ce que vous parlez d'eux ? Nous sommes en train de parler d'eux. Parce que justement, tout a débuté d'eux. Quoi ? Vos parents pratiquaient le spiritisme. Et au fur et à mesure du temps, ils n'arrivaient plus à s'en passer. La pratique est devenue habituelle et ils ont fini par en faire rentrer un. À faire rentrer quoi ? Connaissez-vous le spiritisme ? Ouais, j'ai entendu parler. Ils ne pratiquaient plus ni l'un ni l'autre dans les rêves. Un jour, alors qu'ils étaient en pleine séance, ils n'ont pas fait les manipulations nécessaires pour se sécuriser. Où voulez-vous ? Lors de cette séance, un esprit malfaisant est entré dans cette maison. Alors qu'ils essayaient de communiquer avec une personne décédée de leur famille, ils ont fait rentrer un esprit. Cet esprit a communiqué avec vos parents par l'intermédiaire d'objets. Et ensuite, cette entité s'est installée et s'est accrochée à votre père. C'est plutôt automatique, c'est ça ? Oui, monsieur Miller. Le spiritisme, il le pratiquait. Surtout votre père, avec la méthode de l'écriture. Vous êtes en train d'insinuer qu'elle est là ? Je ne suis pas seulement médecin. Je travaille aussi sur les phénomènes paranormaux. Et c'est moi qui me suis occupée de l'affaire de vos parents, Roderick. Parce que ce n'est pas tout. Après avoir fait rentrer cette entité, elle a pris possession du corps de votre père. Mais comment est-ce possible ? La possession se fait en plusieurs étapes. Mais c'est vrai que la première fois que je suis rentrée ici, j'ai pu ressentir une présence. La même que celle qu'il y avait à l'époque de vos parents. Que doit-on faire ? Il ne faut surtout pas laisser le démon entrer ou traverser le corps de l'un d'entre vous. Le fils des voisins de la famille Tawara, Marcel, il est mort par sa faute. Une nuit, après que je leur ai rendu visite, je les avais avertis, mais l'accident est arrivé, il a tué l'enfant. Jeanne, sa sœur, est restée vivre dans cette maison. Mais elle a été traumatisée après la mort de son frère. J'en ai tout fait pour vous, en tout cas. Je peux regarder votre maison ? Bien sûr. Je vais rester avec Spencer, moi. Oui, surtout surveiller la bière. C'est là, me semble-t-il, que tout a commencé. Un chat venait souvent ici. Mon fils est monté une fois dans la nuit. Je pense que c'est le chat qui l'a mené jusqu'ici dans ce grenier. Ce masque appartenait à vos parents. Ah. L'entité tentait de communiquer par l'intermédiaire de ce masque. Que cette entité serait. Est-ce possible ? Seule possibilité. Comme vous le dites, cette entité de retour chez vous. Mais la question reste. Pourquoi ? Vous pouvez me montrer cette salle de bain et la chambre de vos garçons, s'il vous plaît. La baignoire, là. C'est là qu'elle l'a vue. Vous pouvez me montrer votre jardin ? Je peux vous montrer où je me trouve mes cubes ? Bien sûr, mon chéri. Allez, montre-moi. Je le retrouve derrière cet arbre. Je peux regarder ? Venez, on va s'approcher de la rivière.
de la faire louer. Plusieurs morts suspectes ont poussé les familles à quitter la maison. Après la dernière famille, depuis 1958, la maison est restée inhabitée pendant 6 ans, avant votre arrivée. Et on a là 3 affaires principales. L'affaire Diplo, l'affaire 28 et l'affaire La Coriale. Et en quoi consistent ces affaires? L'affaire Diplo parle d'un bébé qui se serait fait égorger par ses parents dans un grenier. C'est donc ça l'histoire que j'entendais? Oh, sans doute, oui. Ensuite, il y a l'affaire 28. Une petite fille se serait fait étouffer par sa sœur avec des rideaux. Et là, c'est sûrement dans la chambre de vos filles que cela s'est passé. Et pour finir, on a l'affaire La Coriale. Une femme se serait noyée sans explication d'après son mari. Tous ces esprits sont là, dans votre maison. Ils sont là pour vous mettre en garde. Et ils ne sont pas méchants. Mais pour tout vous dire, si vos parents ont réussi à s'en sortir, c'est parce que Gaspard, votre père, a subi un exorcisme. Attendez, attendez, pourquoi vous allez nous parler d'exorcisme? C'est juste au cas où. Elle veut juste nous aider, ma chérie. Oui, car cette entité s'est emparée de votre maison et peut par la suite prendre possession d'un être humain. Un exorcisme servirait à faire expulser cette entité maléfique, au cas où elle réussirait à pénétrer dans le corps de l'un d'entre vous. Elle est dans cette maison parce qu'elle n'a pas trouvé la paix. Et elle est sûrement morte violemment. On a fait des recherches, mais on n'a jamais rien trouvé qui pourrait décrire cet esprit. Andrew ? Il y a quelqu'un de lapin. Comment ça, mon lapin ? Il chante une chanson, la même que j'ai entendue dans le puits du jardin. Elle est souvent là pour m'aider, dans des affaires comme les vôtres. Elles sont tellement rares qu'elle ne vient qu'en cas d'urgence, comme c'est le cas aujourd'hui. Vas-y Suzanne, tu peux leur expliquer. Les esprits démoniaques se nourrissent d'énergie, notamment celles qui proviennent de corps vivants comme les nôtres. L'appareil de température va nous permettre d'évaluer les zones froides et les zones chaudes de votre maison. Nous avons également d'autres appareils qui vont nous aider à suivre l'entité et les esprits en question. Ce qu'elle veut vous dire, c'est que pour identifier la cible de cet esprit malfaisant, il va falloir le suivre et l'identifier. Je ne vous cache pas que nous croiserons sûrement les esprits victimes. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ils sont juste là pour nous aider. Bon, ok. Mais alors, comment procède-t-on? Eh bien, nous allons vous le montrer, juste le temps d'installer le matériel. En attendant, j'aimerais vous présenter la voisine, Jeanne Tawara. Elle veut bien vous expliquer ce qui s'est passé pour son frère. Il était là, debout devant lui, devant son lit bleu. Il avait un couteau de cuisine à la main. Il s'est approché doucement de lui et il lui a donné plusieurs coups de lame dans le corps. Il y avait du sang partout. Tu peux t'arrêter, Jeanne, si tu veux. On était en train de dormir. Il était 5h du matin, je crois. Après ça, notre vie n'a plus jamais été la même. Mes parents ont vécu dans le chaos pendant 20 ans. Ils sont partis. Ils
peur que ça recommence, n'est-ce pas? Quand j'ai vu votre nom inscrit sur la boîte aux lettres, j'ai tout de suite paniqué. Votre père n'était pas fou, mais d'après ce que j'ai cru entendre, il pratiquait le spiritisme. C'est cette chose, ce démon qui a pris votre père. Il avait un visage tellement peu humain, des trous ensanglantés, des yeux noirs. Parce qu'il est revenu. Je sais, je l'ai tout de suite senti en rentrant. Je vous en supplie, Denise, protégez-moi du mal. Ne t'inquiète pas, Jeanne, je ferai tout pour t'aider. On va tout faire, je te le promets. Je ne veux plus jamais revivre ça. S'il vous plaît. Tu peux t'approcher, mon grand, de l'appareil. Tu vois, ça c'est le bruit que tu entendras quand quelqu'un s'approchera de l'appareil. Et c'est comme ça qu'on sera prévenu s'il y a quelqu'un dans le grenier. D'accord. C'est bon, ça devrait les éloigner dans les autres salles. L'ail, je l'ai béni moi-même. C'est pour ça que normalement... dans la pièce, il se manifeste. Tout va bien pour vous? Il y a Andrew qui a encore entendu cette chanson. Restons ici pour le moment. Si vous sentez quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Et il s'est passé quoi en haut alors? Un esprit y était. Il est descendu sûrement par nous. Restez ici, je vais voir. Je peux venir? Oui, vas-y mon grand, fais attention. Rod, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée qu'il y aille? Maman! Bon, d'accord. Ce doit être le meuble qu'on a entendu bouger. Ouais, sûrement. Ouais. Spencer. Je sais pas ce qu'elle a, elle est partie en courant. Mais par où elle est allée? Vers le grenier. Roderick, j'ai besoin que vous restiez concentré. Si jamais ça tourne mal, vous êtes peut-être la seule personne à pouvoir aider votre fille. D'accord.
j'en sais. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en danger. Allez, reprenez-vous, Roderick. Spencer a besoin de vous. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle sait encore qui vous êtes. Il y a une petite part d'elle. Il faut empêcher que le démon ne s'empare d'elle totalement. Si cela arrive, il faudra procéder à l'exorcisme. C'est ce que vous voulez? Je veux juste que tout s'arrête et qu'on me rende ma fille. Alors allez-y, Roderick. Votre fille compte sur vous. Votre famille compte sur vous. Vous pouvez y arriver. On n'a plus de temps du tout. Comment faire pour la ramener? Il faut qu'elle soit inconsciente, c'est la seule façon. Écoutez, allez-y, je vous rejoins et moi je m'en occupe. Je reste. Tout va bien se passer, maman. Denise et Suzanne savent ce qu'elles font? Piambos!
Allez-y, allez-y, continuez. Allez-y, continuez. Malédictée, Ecclesia, Securité, Bi, Facias, Libertate. Ah, tu m'as tellement manqué. Contente de te revoir parmi nous. Look at your eyes. They're exactly the same as last time. Your arms, they're wrapped around.